t'occupes pas de ça, tu deviendras mon meilleur ami si tu règles son compte à Skip. Waouh, est-ce que c'est vrai? Ah. Oh là, oh là, oh, Simon, attends, je commence tout juste à toucher ma retraite. Oh, des jus de pommes. Oui, ça va bientôt passer au vert, vert comme les dollars. Hé, hey, Simon, j'ai un cadeau pour toi. Un jus de fruits, j'adore les jus de fruits. Simon, à quoi tu joues? Je suis ton meilleur ami, ça veut dire que tu dois faire tout ce que je te dis. T'as des jus de fruits? Non, mais je peux en acheter. J'en veux un tout de suite. Kevin, vas-y, achève-la. Pourquoi? Tout ce qu'on devait faire, c'était les empêcher d'approcher du portail. Tu es faible. Laisse-moi te montrer comment doit faire un vrai méchant. Si on parlait tranquillement. Tu t'en sortiras pas en bavardant cette fois, Gwen. Stop. Au revoir, Gwen. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est pour ça que tu seras jamais le bras droit du chevalier éternel. Je gère les choses comme je l'entends. Et si quelqu'un doit s'en prendre à Gwen, je préfère que ce soit moi. Merci de m'avoir sauvé, Kevin. C'est rien, je suis pas un monstre. Alors tu ne m'empêcheras pas de découvrir ce que Ben prépare? Ton cousin est devenu un vrai méchant, voilà ce qu'il prépare. Kevin, on parle de Ben. Ah oui, c'est vrai qu'il est trop mignonné pour devenir un vrai méchant. Bon, à plus tard. Attends, je viens avec toi, j'ai un compte à régler. Oh, rien de ce que je fais n'a l'air de fonctionner. Parce que tes pouvoirs aliens n'ont rien à faire sur cette planète. Maintenant, porte ton chemin, avance. Salut, méchant Ben. Ne réjouis pas trop vite, Tennyson, je suis pas venu pour toi. Je suis venu pour la boîte de conserve à gratte. Alors tu veux savoir pourquoi je ne t'ai pas choisi? C'est parce que tu n'es qu'une version bas de gamme de Tennyson. Je peux pas les laisser se battre comme ça, je vais avoir besoin de Bungalowzor. Une version bas de gamme, hein? Enfin. Prends ça, loser éternel. Max, est-ce que t'entends ça? On a des interférences dans les basses fréquences. Wow! Quelqu'un parle. Bah, quelqu'un ou quelque chose. Non. Espèce d'insolent, quoi? C'est le gant du chevalier éternel. Gwen, c'est avec ça qu'elle contrôle le portail temporel. Tu dois t'en servir pour... Ben! Montre-moi ça. Gwen, occupe-toi du portail, je m'occupe du chevalier. Faites-moi encore de bas de gamme si vous osez. Comment vous avez pu me faire ça? J'étais votre meilleur combattant. Tu n'étais qu'un pion sans intérêt. Je ne suis le pion de personne. Les gars, j'ai retrouvé le portail qui mène au présent. Ah, Gwen! Ah! Tu crois pouvoir vaincre le chevalier éternel? Ne t'approche pas de ma cousine! Gwen, attrape ma main! Kevin, accroche-toi! Kevin, livre-moi Tennyson et rends-toi enfin utile pour une fois. Kevin, réfléchis bien, tu n'es pas un méchant. Désolé, mais c'est là que tu te trompes. Quoi? Attends, Kevin! Je suis le type le plus méchant qui soit! Surprise! Non! Kevin, non! C'est moi qui suis censé être cool! Et Kevin m'a encore volé la vedette! Tu aurais vraiment préféré être piégé dans le passé? Oh, d'accord, je lui laisse cette petite victoire. Et quand on a été pourchassé par le chevalier éternel dans le portail temporel, il a failli nous avoir! Jusqu'à ce que Kevin essaie d'être plus cool que moi une fois de plus! J'ai compris, Ben. Mais t'es quand même puni. Ne t'enfuis plus jamais comme ça. Peu importe les ennuis, on peut les affronter ensemble. Je sais, cousine. On peut toujours compter sur sa famille. Oui. Ouais. Attends, Vin. Appelez-moi oncle Vinny, je fais partie de la famille Tennyson maintenant. C'est la meilleure façon d'élever des enfants.